C'est une joie de partager ce moment avec vous tous. Au cours d'un dernier repas, Jésus se lève de table. Il noue un linge autour de sa ceinture, il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds de ses disciples les uns après les autres. Puis, il les essuie avec son linge. Non, Seigneur. C'est un travail de serviteur. Ce n'est pas pour toi. Écoute-moi, Pierre. Toi qui m'appelles Seigneur, et tu dis bien, puisque je le suis. Puisque moi, qui suis Seigneur et Maître, je t'ai lavé les pieds. Vous, mes fidèles, devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez ce que je vous ai montré. C'est en cela que tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous vous portez respectivement. Ce geste est courant à l'époque de Jésus. Dans ce pays où il y a beaucoup de sable et où l'on marche avec des sandales, c'est très appréciable de pouvoir s'installer à table avec les pieds propres. Mais quand même, lui, le maître, le Seigneur, qui se met à laver les pieds de ses disciples, c'est le monde à l'envers. Lui, le Fils de Dieu, il lave les pieds de ses disciples comme un serviteur le ferait. Il se fait serviteur. Jésus montre l'exemple du service. Il leur montre que quand on veut le suivre, quand on veut suivre Dieu, quand on veut être son ami, il faut être au service des autres. Jésus leur explique alors qu'il est vraiment l'envoyé de Dieu. Il leur annonce aussi que des choses graves vont se passer, qu'il est en danger. Il leur redit combien il les aime et combien il est heureux de les avoir choisis. Et pour terminer, il leur explique cette attitude très importante pour celui qui veut être son ami. Celui qui accueille quelqu'un que moi j'envoie, c'est comme s'il m'accueillait. Tu t'es levé de la table et que tu as lavé les pieds. Tes amis ont vu que tu es le Messie de Dieu, l'envoyé. Je te dis merci Jésus pour ton amour immense. Tu as regardé vers Pierre et lui a dit de t'écouter. Il a vu combien tu l'aimais. Dans la confiance, il t'a parlé. Par toi, Jésus, se sert.